scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors, j'ai aujourd'hui un invité qui s'appelle Shadow Ombre, qui a une chaîne YouTube qui porte le même nom. Et c'est un peu un spécialiste de quelqu'un qui s'intéresse à l'occultisme. Et on va parler aujourd'hui du Nouvel Âge. Salut Shadow Ombre. Salut, salut. Et merci de m'avoir invité. Bah de rien, de rien. J'ai découvert donc, comme je le disais avant le début de l'interview, ta chaîne assez récemment. On me l'a conseillé. C'est vrai que tu fais du boulot vraiment intéressant. Raconte-nous un peu comment tu es venu à t'intéresser à ces sujets-là, au Nouvel Âge, à l'anthroposophie, etc. D'accord. Déjà, je tiens quand même à signaler, parce qu'il va y avoir des langues qui vont pendre, des gens qui vont bavasser. Je suis invité par une chaîne sceptique, ça ne veut pas dire pour autant que je suis un sceptique ou un zététicien ou un rationaliste, enfin ce mouvement de pensée. Je n'y appartiens pas parce que je ne m'y reconnais pas, même si j'y trouve pas mal de choses intéressantes. J'ai discuté dans ma carrière YouTube, qui est assez récente quand même, j'ai discuté avec pas mal de personnes de tous bords, même des gens vraiment de bord extrême que je n'aurais pas rencontrés dans la vie, comme des antisémites ou des sionistes radicaux ou des salafistes, des gens identitaires ou même néo-nazis. Donc, je peux discuter avec tout le monde, évidemment avec un sceptique. Et si des gens qui font partie du mouvement New Age m'invitent à discuter sur leur chaîne ou à travers des podcasts, je serais ravi de discuter avec eux aussi. Alors, ouais, tu fais bien de le rappeler, je pense que c'est bien, parce que parfois les gens ont cette réaction-là avec moi, parce que j'invite des tas de gens sur le podcast, des gens vraiment pas, enfin, j'ai invité des spirites, etc. Alors parfois on me dit, mais c'est pas des sceptiques que tu invites, mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas un critère. J'invite des gens que je trouve intéressants et sur des sujets que je trouve pertinents, qui pourraient intéresser les auditeurs. Mais voilà, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est parce que je trouve que tu parles d'un sujet qui m'intéresse et qui est dans l'actualité un peu sceptique avec évidemment Grégoire Perra et d'autres personnes comme ça. Oui, et puis on ne peut pas rester dans l'entre-soi, il faut quand même discuter avec ces gens-là. On est là pour se comprendre, s'expliquer, on peut le faire avec respect, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'offensive critique véhémente et vindicative, voire insultante, ça n'a aucun sens en fait. Donc, pour répondre à tes questions du départ, Shadow Ombre, je suis dans ma vie IRL, n'est-ce pas, bibliothécaire sud-est de la France. Je m'intéresse au New Age en fait depuis une vingtaine d'années, alors que j'étais moi-même au départ dans une quête spirituelle et que je fréquentais un milieu qui était anthroposophique. Moi, je n'étais pas anthroposophe, mais je connaissais des gens, et notamment une demoiselle que je fréquentais, pour vous dire la vérité, qui était dans le milieu anthroposophique. Depuis, j'ai lu les textes du New Age, pas tous, parce qu'il y en a énormément, des centaines et des centaines de milliers. Mais les essentiels, quand même, qui sont les jalons du New Age, et aussi des revues des différentes sociétés New Age anciennes. D'ailleurs, j'ai une grosse bibliothèque, je chine beaucoup, et puis je me sers des contacts de bibliothécaires pour avoir accès à des archives numérisées de fonds très précieux. Je suis aussi connaisseur des mouvements des anciennes traditions, des religions anciennes, des écoles dans ces mouvements, ces divers mouvements, des dissidents dans ces mouvements, des doctrines, des dogmes dans ces mouvements. J'ai une vue d'ensemble quand même qui est qui commence à être intéressant, je trouve, déjà pour moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même aussi et le fait d'apprendre, de comprendre et d'arriver à formuler des liens entre certaines choses. Ça c'est vraiment intéressant et j'essaie de le partager du coup. Et si j'utilise un pseudonyme, et je reste sous pseudonyme et que je reste à visage couvert, c'est parce que en ce moment, je m'en prends à l'anthroposophie, notamment. Et l'anthroposophie est très présente dans la région où je vis, et d'autant plus que le mouvement est très procédurier. Donc, bon, un jour, on saura qui je suis, sans aucun doute, on verra mon visage, mais tant que je peux retarder ça, ce n'est pas une si mauvaise chose. Par ailleurs, j'ai une autre vie, je n'ai pas fait que ça, j'en parle pas forcément, mais puisqu'on est sur une chaîne sceptique, on peut déjà d'emblée parler d'un biais que j'ai, c'est que je suis croyant, je suis musulman. Je suis musulman dans un cadre très orthodoxe, je suis une des quatre écoles sunnites, du mouvement sunnite de l'islam, donc l'un des plus orthodoxes, des plus répandus au monde. Donc voilà, pas de secret par rapport à ça, et vous saurez mon biais, et du coup vous pourrez peut-être me critiquer par rapport à ça, ça ne me dérange absolument pas. Voilà.
Oui, pour te raconter moi un peu comment je suis tombé, je me suis intéressé au New Age quand j'étais adolescent aussi. Donc, je m'intéressais au paranormal. Hein, moi, je fais partie des zététiciens qui, un peu à l'ancienne, qui s'intéressent beaucoup au paranormal. Et dans ma ville, il y avait une librairie ésotérique, comme il y en a souvent. Et alors, oui, ils organisaient des conférences. Et c'est vrai que je suis allé, je crois, pendant une année, ils avaient une conférence par mois. Je suis au moins allé une douzaine de conférences. Écouter leurs conférences, mais j'étais extrêmement critique. Ils invitaient des voyants, des astrologues et un peu tous les trucs qui tournent autour de la dimension New Age. Ils avaient fait aussi du Reiki, donc les disciplines d'imposition les mains sans contact comme ça. J'avais même fait un stage, c'était complètement délirant. Mais c'était vraiment par un peu un intérêt anthropologique parce que je trouvais ça. Complètement fascinant de voir. Mais bon, maintenant, ce qui était triste à voir, je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en détresse psychologique qui venaient, qui parlaient aux invités parce qu'ils avaient un proche qui était décédé, etc. Et ça, c'était assez désagréable à entendre. C'est vrai que de voir tous ces gens qui venaient chercher de l'aide psychologique chez des mauvaises personnes, évidemment, selon moi. Donc, mon intérêt pour le New Age a commencé à ce moment-là. Ouais. Il y avait aussi la mythique collection, l'aventure mystérieuse, évidemment. Dit-il, Ouais, j'entends un soupir de désespoir. L'aventure secrète, ouais. La collection que j'ai lue, c'est ça, ouais, je connais. Ouais. Ouais, je connais très bien ça. C'était une collection qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Par C'est rapport au New clair. Age, en tout cas, ça fait beaucoup de mal. Et c'est vrai, c'est intéressant ce dont tu parles, c'est parce qu'on me critique par exemple, parfois parce que j'ai surtout une connaissance, enfin un savoir livresque, je différencie vraiment la connaissance du savoir. Et la connaissance, je l'ai parce que, comme toi apparemment, j'ai pratiqué aussi sur le terrain, dans le monde musulman, dans l'ésotérisme islamique, mais aussi effectivement à travers l'anthroposophie et divers mouvements New Age. Je connais aussi des prêtres des prêtres catholiques avec qui je suis en contact régulier, des hindous dans la voie de l'Advaita, bah, je n'arrive jamais à le dire, bref, des hindous très traditionnalistes, Shakti, Bhakti, etc. Donc voilà, j'ai une expérience de terrain au contraire de ce que peuvent prétendre certains. Et ça, c'est important aussi. C'est Donc, important. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, le premier point que tu voulais aborder, c'était les études scientifiques sur le Nouvel Âge. Oui, bah, en fait, le New Age, je pense que quand même on est d'accord. C'est pas parce que. C'est pas, on parlait un petit peu avant qu'on commence cet entretien. C'est pas parce que c'est seulement une mode qu'on en parle pas mal en ce moment. C'est parce que vraiment le New Age s'est emparé de notre société. On a tous des gens qui se disent athées autour de nous et qui disent pourtant pratiquer la philosophie bouddhiste. Un truc qui ne veut rien dire, la philosophie bouddhiste. C'est n'importe quoi. Le bouddhisme, c'est une spiritualité avec des dogmes, des croyances, etc. Il n'y a pas de philosophie dedans, sauf quand on décide de l'occidentaliser, justement. On en croise qui croient en la réincarnation, des athées, quand même. On en croise qui pratiquent le yoga, encore la méditation. J'étais très surpris d'ailleurs de voir qu'il y avait des vidéos de méditation sur ta chaîne YouTube, par exemple. On a tous tenté quand même dans nos vies de faire bouger des verres sur une table. Par contre, on est tous contre les sectes. Hein. Et puis, ces satanées religions monothéistes, dogmatiques, sclérosées, qui ne me font pas avancer quand même. Et puis, dans les supermarchés culturels de masse, le New Age a un espace jusqu'à 5 fois plus grand que celui du polar, par exemple. C'est donc qu'il y a des consommateurs, vraiment. Puis, les médias mainstream aussi s'en emparent largement. Sur la première chaîne, passée au début des années 90, l'émission Mystère. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et puis il y a les magazines féminins qu'on connaît tous là, qui sont célèbres, qui parlent tous de relaxation, de nouvelles psychothérapies, d'astrologie, de numérologie. Je me rappelle d'un numéro que j'ai encore, un numéro d'août 1996 du Nouvel Obs qui m'avait frappé. On a de grands articles qui critiquent le paranormal et accolés à ces articles une publicité pour la voyance par Minitel. Magnifique. Et derrière une vision holistique du monde, en fait, le New Age, pardon, propage ses slogans. Réussite, intuition, mémoire, aptitude au bonheur, soyez plus dynamique, communiquez, réussissez, soyez heureux. Une injonction, hein, qui d'ailleurs peut faire déprimer beaucoup de monde. Et puis, je ne sais pas, la publicité aussi, par exemple, un grand parfum, Guerlain,
qui, dans sa publicité, faisait passer le thème de la réincarnation avec ce slogan « À l'aube du troisième millénaire, la femme se réincarne en Guerlain ». Donc là, on est en plein New Age quand même. Donc, ce New Age, il a vraiment pénétré notre société. Je me demandais, par rapport à ça, parce que évidemment, oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est clair que la présence, l'omniprésence du New Age est super importante. C'est vrai que je disais qu'il y avait une mode, mais bon, c'est parce que voilà, tout d'un coup, je vois apparaître des choses comme ça chez les zététiciens. Mais c'est un sujet de conversation qui revient un peu sur le tapis. Mais je pense que souvent, les sceptiques et les zététiciens, ils trouvent ça juste un peu ridicule. Et puis, ils trouvent que ça ne vaut pas la peine de démystifier. Ou, voilà, ouais. Ils préfèrent se concentrer sur l'homéopathie ou des choses comme ça. Je ne dis pas du tout, je partage pas du tout cet avis. Hein, mais j'ai l'impression que j'ai. Mais, et tout d'un coup, c'est un peu en train de changer à cause, comme je le disais, de l'intérêt pour la transposophie, etc. Mais pour revenir sur le fait, bon, ce n'est pas du tout une mode, et le fait que c'est vrai que ça a un peu infusé dans notre société de manière assez globale. Je me demande, enfin, moi j'aurais tendance à dire, je sais que tu comptes en parler, mais évidemment, les origines du New Age, bon, évidemment, c'est un mouvement qui découle un peu de la théosophie, etc. Et finalement, ça revient d'assez loin. Je veux dire, je sais pas trop si c'est vraiment le New Age qui a infusé, mais si c'est même pas en amont que ça a commencé à infuser dans notre société les idées théosophiques, etc. Et enfin, souvent. Je me rends compte que les gens sous-estiment l'importance culturelle qu'a eu la théosophie en Occident à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'est vrai que maintenant, les idées qu'on a eues dans la théosophie, on les retrouve dans les films, dans la science-fiction, etc. C'est vraiment. En fait, on a l'impression que c'est là maintenant. Mais effectivement, ça a commencé au milieu du 19e siècle et c'est intimement lié. Mais quand je dis intimement, c'est vraiment intimement lié à notre société moderne, même humaniste, libertaire, progressiste, évolutionniste. Mais vraiment. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Parce qu'en fait, bon, le New Age a pénétré notre société, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qui le définit? Quand est-ce que ça commence? Où en est-on aujourd'hui? Et ça, c'est, voilà, je pense, le programme qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Un petit peu, effectivement, je voulais commencer par les études scientifiques sur le New Age, c'est la moindre des choses, puisqu'elles existent, il n'y en a pas quelques-unes, je vais en retenir certaines. Un ouvrage de Christoph Boschinger qui s'appelle « New Age und Modern Religion », qui est sorti en 1994, pas besoin de traduire, je pense qu'on comprend. Son biais à lui, c'est que c'est un théologien protestant allemand. Il est plutôt panthéiste et gnostique, dans le sens gnose moderne, parce qu'on confond souvent le gnosticisme et la gnose aussi. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si tu vois la différence, toi. Oh, oui, tout à fait, oui. Bon. Non, mais définis un peu pour les auditeurs. La gnose, c'est quelque chose qui traverse tout l'ésotérisme. C'est un terme qu'on va devoir définir, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi par rapport à ça. C'est le contact direct avec Dieu, en fait. C'est la volonté de passer, d'avoir un contact direct avec un principe supérieur, en tout cas. À travers des pratiques, etc. Et le gnosticisme, c'est par contre plutôt un mouvement chrétien dissident du 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, représenté notamment par Simon le magicien, Marcion, Valentin, c'est le plus connu, qui pratiquait un dualisme, il y avait un dieu du bien et un dieu du mal, et qui a été combattu par les pères de l'Église, comme Paul de Tarse et Irénée de Lyon, c'est devenu une hérésie. Et ce mouvement du gnosticisme a été revivifié, avec la découverte des rouleaux de Nag Hammadi en Égypte, les fameux manuscrits de la Mer Morte en 1945, d'où on a tiré les fameux textes apocryphes de Marie, de Judas, etc., etc. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Le problème de Boschinger dans son texte sur le New Age, c'est que pour lui, le New Age, c'est un panthéisme, c'est-à-dire que Dieu est tout, la nature de Spinoza, la fameuse immanence versus la transcendance, et que c'est à la fois de la gnose moderne. Moi, je trouve que c'est une erreur. Son ouvrage, par contre, est excellent quand même sur pas mal de références, mais il y a quelques défauts. Paul Elas, un sociologue et anthropologue anglais, qui a écrit le bouquin The New Age Movement en 1996, un ouvrage fort intéressant aussi. Lui, il définit le New Age comme une nouvelle religiosité de la modernité tardive qui refuse le christianisme traditionnel.
et dont le but est le salut, en fait, la sotériologie, le salut après la mort, et ne s'occupe que de l'épanouissement individuel, la religion du soi, soit pour les groupuscules, comme la Soka Gakkai au Japon, ou la Scientologie en Amérique et maintenant dans le monde entier, soit par les séminaires et conférences de développement personnel, comme la PNL, par exemple, la programmation neuro-linguistique. Et là, c'est le scientifique spécialiste du New Age duquel je me sens le plus proche. Et je recommande vivement son ouvrage parce qu'il est très dense et très intéressant. Il y a Anne Graf aussi, Wouter J. Anne Graf, un professeur d'hermétisme hollandais et de philosophie, qui a écrit New Age Religion and Western Culture en 1996. Alors voilà, tous ces bouquins que je dis, franchement, il vaut la peine que je cite, il vaut la peine d'être lu. Bon, pour lui, le New Age, c'est qu'un ésotérisme occidental qui continue et trouve un compromis avec la science moderne. Je suis d'accord, il y a un compromis avec la science moderne, mais je ne pense pas que le New Age soit un ésotérisme. Pas du tout. Absolument pas. Il y a Marie-Jeanne Ferreux, la sociologue, une sociologue française, qui a écrit « Le New Age, ritualité et mythologie contemporaine » en 2003. Le problème de son bouquin, qui est fort intéressant, le problème de son bouquin, c'est que pour elle, le New Age, c'est stricto sensu de 60 à 92. Ce que je réfute. Il y a le très bon bouquin de Massimo Introvigné, l'italien, le sociologue italien, fondateur du CESNUR, qui est très critiqué parce qu'on le dit proche des sectes, mais parce qu'il discute avec des membres des sectes, des scientologues, etc., etc. Enfin bon, on ne va pas trop polémiquer sur le sujet. Il a écrit un très bon bouquin, en l'occurrence, Le New Age des origines à nos jours. Il a été publié en 2001, mais en 2005 en France. Et c'est pareil, c'est un très très bon bouquin. Lui, c'est, je pense, le plus connaisseur du milieu. Mais pour lui aussi, il part d'un New Age stricto sensu de 62 à 90, et pour moi, c'est une erreur. Et enfin, il y a Claudine Voisena et Pierre Lagrange, une ethnologue française et un sociologue français, qui ont publié « L'ésotérisme contemporain et ses lectures » en 2005, et qui est un ouvrage hyper intéressant, puisqu'ils étudient, comme le titre l'indique, l'ésotérisme contemporain à travers les bouquins. Sauf que pour moi, le New Age n'est encore une fois pas un ésotérisme. Voilà, ça c'est pour ce qui se fait dans les publications actuelles. Tu connaissais un peu ces bouquins peut-être ou pas du tout ? Oui, certains d'entre eux, je les connaissais, mais pas tous. Il faudra que tu me donnes les références, hein. Je les mettrai pour les auditeurs qui sont intéressés. Oui, bien sûr, je t'enverrai ça. Mais donc, ce qui m'intéressait particulièrement, et ça va déplacer vers ton second point, c'était la définition de l'ésotérisme, parce que tu dis donc que le New Age n'est pas un ésotérisme. A priori, je suis d'accord avec toi, mais il faut expliquer pourquoi aux auditeurs. Oui, bien sûr. Ben, avec la marchandisation du New Age en Europe occidentale, les héros des médecines alternatives contestataires, de l'anthroposophie notamment, ainsi que du coaching, bon, ben aujourd'hui, certains s'essayent à redéfinir le New Age parce que ce qu'on peut remarquer avec tous ces ouvrages que je viens de citer, c'est qu'ils datent de 2003, 2004, 2005. Plus tard, on est en 2020, il y a un trou quand même, béant. Certains s'essayent aujourd'hui à redéfinir le New Age, son histoire, ses enjeux, au vu de ce qu'il se passe actuellement en l'absence d'ouvrage global de référence. Mais ils commettent beaucoup d'erreurs dues à des confusions. Conséquence d'une ancienne dénaturation du langage et des mots. Et ces histoires, qui sont fort intéressantes aussi, quand même, ça se fait sur Internet, sur des blogs, mais aussi sur des vidéos ou des podcasts. J'ai écouté récemment une histoire de l'ésotérisme New Age qui est truffée d'erreurs, malheureusement, alors que l'intention est évidemment bonne. Elle est truffée d'erreurs jusque dans le titre. Le New Age ne peut pas être ésotérique. Il faut non pas redéfinir les mots, mais revenir à leur définition originelle. Il y a trop de confusion entre ésotérisme, occultisme, mysticisme, New Age, etc. Donc voilà, effectivement, je trouve que c'est une confusion qu'on retrouve chez ceux qui sont plus ou moins touchés par le New Age, mais aussi chez les rationalistes, les sceptiques et les autres éditions, et chez les complotistes aussi. Or, les mots sont importants. Il est impossible d'en rentrer dans le détail du New Age. Chaque terme demanderait, que je vais exposer, demanderait des heures de développement et d'explication, mais on va essayer de faire court. Hein. Je me demandais si, enfin, tu vois, moi, c'est parce que je vois aussi la confusion parfois avec le mot parapsychologie, qui est aussi mélangé à tout ce que tu viens de dire. C'est parce qu'il y a des. Je me demande si ça ne vient pas aussi, pas forcément de la communauté sceptique, etc. Mais non, bon, ouais. De toute façon, c'est un sujet très compliqué, donc forcément, c'est difficile de s'y retrouver. Mais
Mais moi, ce que j'observe, c'est souvent des salons et de praticiens, entre guillemets, et alors on a des noms où ils mettent eux-mêmes des noms qui prêtent énormément à confusion, au salon ésotérisme et parapsychologie, où ça ne veut rien dire, en gros. Et donc là, la confusion vient du terrain lui-même. Alors, si un sceptique voit, bon, qui ne s'intéresse pas trop à ces sujets, mais qui est quand même un peu. Voilà, il voit une affiche ésotérisme et parapsychologie, bon, voilà, lui, il met ces choses-là derrière. À tort évidemment, mais ça vient du terrain où ils utilisent eux-mêmes mal ces mots finalement, non? Bien sûr, bien sûr. Il y a une part de ça, et puis il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Bah, peut-être qu'on va y revenir après les définitions, du coup, mais ça, c'est vrai que c'est un point très important. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme? L'ésotérique, l'exotérique, par exemple, c'est extérieur. C'est la religion, en fait. C'est l'ensemble des doctrines, lois, rites d'une tradition, avec un grand T majuscule. Qu'est-ce qu'une tradition? C'est une connaissance qui est transmise par un principe supérieur pour tous les adeptes de cette tradition, avec un mode de vie qui est relié à cette tradition. Et donc, les anciennes traditions, ce que j'appelle les anciennes traditions, c'est l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme, le taoïsme, etc. etc., etc. Et en fait, l'exotérisme, c'est le versant d'une tradition, le versant d'une pièce, le côté pile. Le côté face, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme est toujours lié à une ancienne tradition. D'ailleurs, l'ésotériste pratique toujours l'exotérique avant tout. Il fait ses rites, il prie, il fait le jeûne recommandé dans sa tradition, il croit aux principes supérieurs, aux dogmes de sa tradition, etc. L'ésotérisme, c'est un enseignement secret qui est transmis à des initiés et qui est basé sur des exercices pratiques en plus. Si c'est enseigné, si c'est un enseignement, c'est qu'il y a un maître et des disciples de cette transmission, avec une chaîne de transmission qui remonte au principe premier via son intermédiaire, qui la plupart du temps, en général, c'est un prophète. Hein, en pratique, ça dépend des voies. Il y en a que dans les voies, il y a de la méditation, il y a des prières, des danses, même des chants, de mantras, de poèmes, de choses comme ça. Des sciences sacrées. On a un problème avec ce mot, mais à l'époque, on étudiait même chez les néo-pythagoriciens la physique, les mathématiques, l'astrologie, mais d'un point de vue sacré. L'astronomie, la science des nombres, des lettres, le symbolisme. Et le but, c'était la connaissance de soi pour aller à la connaissance du tout, du principe premier, dans le but de s'éteindre dans le tout. Ce que les soufis, par exemple, appellent le fana, l'extinction. Et donc, de se retrouver comme une goutte d'eau dans l'océan. Alors, on pouvait trouver ça intéressant, on peut le critiquer, le réfuter, mais l'ésotérisme, c'est ça, en fait. Et dans l'histoire de l'ésotérisme, il y a les orphiques et les néo-pythagoriciens en Antiquité, il y a la cabale chez les Juifs, mais les kabbalistes pan-new-age, hein, les kabbalistes anciens, hein, qui sont vraiment attachés à la tradition juive. Il y a l'hermétisme chrétien, c'est-à-dire la théosophie, pas celle de Blavatsky, mais celle du XVIe siècle, les Rose-Croix, les illuministes, etc., mais pas les nouveaux rosicrucismes et les nouveaux illuminismes, qui n'ont rien à voir. En islam, c'est le soufisme, le taoïsme et l'hindouisme. En plus, j'aime pas trop parler d'hindouisme, je préfère parler de tradition hindoue, mais bon, ça c'est une précision que je ne vais pas détailler maintenant. Mais c'est carrément différent parce que c'est à la fois métaphysique et religieux, en même temps, c'est très particulier. Et surtout, ces ésotérismes n'ont aucun rapport avec la science moderne. Ils n'ont aucune volonté de prouver la pertinence de leur voie par la science moderne. Ceux qui s'y essayent sont dans le New Age automatiquement. Je le rappelle encore une fois, une dernière fois, l'ésotérisme est forcément lié à une tradition ancienne. C'est très important. On appelle ça une voie initiatique, c'est-à-dire qu'on apprend et on est expérimenté et on transmet. Il n'y a pas d'illumination ou quoi que ce soit. C'est une voie qui est dite active. Ce qu'on remarque dans les rayons de librairie, par exemple, c'est que dans les rayons ésotérisme, on a de tout, sauf de l'ésotérisme. Par exemple, le soufisme, on ne le trouve pas dans les rayons ésotérisme, on le retrouve dans le rayon islam. Pareil pour la kabbale, pareil pour d'autres. Ça, c'est terrible, ça. Ça permet la confusion, effectivement. Oui, puis de toute façon, je veux dire, à partir du moment où tu vends des bouquins dans une librairie, je veux dire, ce n'est pas l'enseignement exotérique, si tout le monde y a accès facilement dans un rayon de supermarché, de toute façon, basiquement.
Oui, c'est ça. L'ésotérique implique quand même une notion de, ouais, une transmission de maître à élève, un enseignement un peu caché, peut-être pas C'est ça. forcément Et secret. puis, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des choix, il y a des gens qui ont des dispositions pour, et le maître réfléchit si ces gens ont des dispositions. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Vraiment pas. On va passer au mysticisme. Le mysticisme, c'est la voie pratiquée par le mystique, tout simplement. Mais il y a beaucoup de confusion avec ce mot quand même. Le mysticisme est aussi obligatoire. Le mystique, pardon, est aussi obligatoirement rattaché à une tradition. Et en l'occurrence, le christianisme, et uniquement le christianisme. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que tel, je sais pas moi, tel hindou est mystique, tel ancien musulman est mystique. C'est faux. Ça n'existe pas dans les autres traditions où on retrouve des voies initiatiques dont l'ésotérique. C'est uniquement chrétien. C'est une voie passive comparé à l'ésotérisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement de maître à disciple. Le mystique, il attend qu'une chose, c'est la lumière divine. Pour cela, il mène une vie austère, ascétique, faite de pénétration doctrinale intense, jusqu'à l'extase qui lui procure à la fois le plaisir de la connexion avec le divin et la douleur due à la frayeur de cette rencontre qui dépasse le cadre humain. Le meilleur exemple, c'est la passion de Sainte Thérèse d'Avila, cette fameuse mystique catholique du XVIe siècle, qui est d'ailleurs très célèbrement représentée par la sculpture du Bernin au XVIIe siècle, dont le nom est la Transverbération de Sainte Thérèse. Et on voit cette sculpture à l'église Sainte-Marie de la Victoire à Rome. Les mystiques, donc je le répète, ne sont que chrétiens, Saint François d'Assise, Saint Hildegard de Bingen, Saint Antoine de Padoue, Saint Ignace de Loyola, Sainte Bernadette de Soubiros et d'autres. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie confusion quand même, parce que le mot mystique maintenant, il est adossé à un peu tout et n'importe qui. Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Qu'est-ce qui différencie tout ça de l'occultisme là ? Ah. Voilà, l'occultisme, ben, c'est différent. C'est un courant. L'occultisme, c'est un courant des sciences occultes qui est né au XIXe siècle et qui pratique l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, les médecines occultes dans le cadre des diverses sociétés qui pullulent à cette époque. Des noms célèbres, Blavatsky, Rudolf Steiner et surtout Gérard Dankos, alias Papus, en sont les personnalités phares. Ces gens-là, et l'occultisme, en général, n'est jamais rattaché, enfin, ils ne sont jamais rattachés à aucune tradition ancienne et à aucun ésotérisme. Mais ils empruntent, ils dévient, ils syncrétisent et ils utilisent les argumentaires aussi de la science moderne pour l'expliquer. Et là, il y a une grande différence et là, c'est là qu'il y a un passage à autre chose. Il n'y a pas de chaîne de transmission, puisqu'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de chaîne de transmission avec l'ésotérisme, même s'ils s'en prévalent. Ils revendiquent leurs autorités par des maîtres soi-disant cachés, des archives retrouvées ou des explications du type « je suis la réincarnation de tel du comte de Saint-Germain ou de Rose-Croix ». Le but de l'occultisme, d'ailleurs, est individualiste. Il a pour but de se réaliser sur Terre et de prouver que l'humain est divin. C'est l'homme qui est le centre. C'est d'ailleurs l'humanisme tel qu'on l'entend au XIXe siècle. Ils sont en phase avec la philosophie prégnante à l'époque. Et ce n'est pas ça qui se passe en XVIIe siècle, d'ailleurs. Ce n'est pas cette philosophie qui est prégnante au XVIIe siècle où il y a des ésotérismes chrétiens qui évoluent. D'ailleurs, l'occultiste est en général progressiste et évolutionniste. Alors, une drôle d'évolution, hein, certes. Et même s'ils rejettent le matérialisme, ils se servent du matérialisme, pour prouver leur pertinence. L'occultisme d'ailleurs devient vite payant, ce qui n'est pas l'ésotérisme, hein. L'occultisme accepte dans ses rangs tout ce qui le désire, et je rappelle que l'ésotérisme est sélectif. Tous les chefs de file occultistes ainsi que leurs mouvements vont assez vite se targuer d'être ésotéristes pour se donner un vernis plus authentique et s'inscrire dans un mouvement ancien. Et enfin, ils rejettent toutes les anciennes traditions et notamment le christianisme, et notamment le catholicisme. Ces mouvements-là sont anti-cathos au possible. S'ils se payent des vertus chrétiennes,
s'ils se parent de vertus chrétiennes, c'est en les détournant totalement, au point qu'on ne reconnaisse plus le christianisme tel qu'on le connaît. Par exemple, Steiner, lui, il dit qu'il y a deux Jésus qui sont nés à l'époque dans la Palestine ancienne. Un qui était la réincarnation de Nazareth, d'Adam, et qui est né à Nazareth, pardon, et un qui était la réincarnation de Zoroastre à Bethléem. Il explique ça dans l'évangile de Saint-Luc. Il explique aussi que quand les bergers voient dans les nuées des signes de quelque chose de magnifique, puisque c'est l'annonce de la naissance de Jésus, Rudolf Steiner va expliquer que c'est la transfiguration du Bouddha. Je ne pense pas qu'on ait jamais entendu ça chez les cathos, chez les protestants, quoi. C'est marrant, alors que ce qui l'embêtait dans la théosophie dont il s'est séparé, c'était qu'ils étaient trop orientalisants selon lui et qu'ils voulaient faire un retour vers le christianisme. C'est un christianisme totalement bizarroïde, effectivement. Oui, c'est un Christ karmique quand même, hein, toujours. Oui. L'occultisme, d'ailleurs, juste une dernière chose, l'occultisme est strictement occidental. Il n'y a pas d'occultisme en Orient, si ce n'est que ce sont des orientaux occidentalisés. Ça, il faut le préciser. Avant d'en arriver du coup au New Age, qui est le sujet quand même qui nous occupe aujourd'hui, mais je pense que ces précisions sont très nécessaires. D'où viennent ces confusions? Tu avais donné une explication. Bon, la première explication que je donne, c'est l'orientalisme en fait. L'orientalisme, c'est un mouvement littéraire artistique du XVIIIe siècle qui s'est continué au XIXe siècle à travers l'étude des cultures et traditions religieuses des pays colonisés par les Occidentaux, les Européens. Et ces études, elles sont quand même très condescendantes, elles donnent des interprétations très paternalistes, d'autant plus que l'idée prégnante à l'époque, c'est que le berceau de l'homme n'est plus tel que le préconisaient les monothéistes, entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau de l'homme, c'est au nord de l'Europe, en Hyperborée. C'est la tendance qui est en Europe, même dans les milieux scientifiques à l'époque. Donc forcément, par rapport à l'Orient, c'est très paternaliste. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction aussi dans les textes, des concepts qui n'existent pas chez nous et qui sont mal traduits du coup. On va par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler de philosophie hindoue, ce qui est absurde. Je te laisse même pas imaginer la catastrophe sur les points doctrinaux, par exemple le karma et le dharma. Tout ce qu'on comprend aujourd'hui en Occident n'a rien à voir avec le karma et le dharma des traditions hindoues. Mais rien. C'est assez impressionnant. Le karma, par exemple, tu vas me dire que tu fais des bonnes actions dans la vie et tu le récupères plus tard, quoi, c'est ça. Et si tu as fait des mauvaises actions, tu en payeras le prix même dans ton présent, pas forcément dans ta prochaine réincarnation. C'est comme ça qu'on entend le karma, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. En fait, non, dans la tradition hindoue, c'est l'observation stricte des actes rituels. C'est-à-dire que si tu fais bien tes actes rituels, tu te réincarneras mieux. Si tu fais mal, enfin, encore, la réincarnation n'existe pas dans l'hindouisme. Ça, c'est aussi une problématique. Le mot en sanskrit n'existe même pas, réincarnation. C'est une thématique complètement occidentale. On parle plutôt de transmigration ou de métempsychose. Ce sont plutôt les termes qui sont plus justes. Bref. Autre confusion, donc, c'est les travaux des religions et mythes comparés qui sont catastrophiques et qui influencent encore le milieu universitaire actuel. Moi, j'ai fait des études en sciences des religions que j'ai assez vite quittées parce que j'étais catastrophé. On s'appuie encore. Juste une dernière chose sur ton orientalisme, évidemment, pour les universitaires qui nous écoutent. Enfin, il y a Édouard Saïd, hein, qui est le grand auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs L'Orientalisme, où il critique tout ce courant. Montre qu'on développe un peu, que les universitaires ont créé une sorte d'Orient mythique et on parle beaucoup. Enfin bon, moi je suis professeur de japonais, au cas où tu ne serais pas, et donc c'est vrai qu'on s'intéresse. Ben, voilà. On a aussi le Japon mythique qu'on voit un peu partout, c'est très influencé par l'orientalisme. Et donc, un bon point de départ pour ceux qui s'intéressent à ça, le livre fondateur de ces réflexions, de critiques de ça, c'est Édouard Saïd qui a écrit, ça s'intitule L'Orientalisme, où il déconstruit déjà un peu tout ça. C'est vrai, et du coup, quand moi j'ai étudié à la fac sciences des religions, quand on me donnait comme référence toujours Max Müller et Lévi-Brull, je me tirais les cheveux, c'est pas possible, quoi. Donc il y a une vraie confusion universitaire à ce niveau-là. Comme tu le disais tout à l'heure, le New Age aussi permet cette confusion dans sa pratique, par ses syncrétismes. Et en plus, le New Age aussi s'appuie sur les connaissances. Et ce qui est le savoir de universitaire de cette époque-là.
Par exemple, les théosophistes ont parlé de bouddhisme ésotérique. Complètement. C'est d'une stupidité aberrante. Et alors que les maîtres de la société théosophiste sont des maths. Bah. Donc on a d'un côté les bouddhistes, le bouddhisme ésotérique qui est la palissade, et les mahatmas qui font partie de la tradition hindoue et pas bouddhiste. Et là, on se dit, bon, il y a une confusion. De toute façon, ça les arrange, tout ça. Parce que comme ils sont dans un syncrétisme, ça les arrange beaucoup. Un autre problème, c'est que il y a des gens qui... c'est un problème très actuel aujourd'hui. C'est que il y a des gens qui ne poussent pas assez et qui restent à la vulgarisation. Et la vulgarisation, des fois, elle peut être très bonne, très intéressante. Souvent, elle est très simpliste, voire vulgaire. Et il y a beaucoup d'erreurs qui continuent à travers la vulgarisation. Et puis, il y a le matérialisme inconséquent de notre époque et qui place l'ésotérisme, l'occultisme, la divination, etc. Tout ça, de toute façon, même avec les religions anciennes, c'est des croyances magiques, c'est du pareil au même. Donc, on ne va pas s'embêter à faire à séparer les choses. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que j'ai été clair à ce niveau-là? Oui, c'est parfait. Ouais. Je pense qu'on peut passer effectivement au point suivant. Donc, parler de l'origine, enfin, définir le New Age et parler de son origine, d'où ça vient exactement. Oui. Alors, le New Age, c'est un mot anglais. Hein. New Age, nouvel âge. On parle aussi d'ère, nouvelle ère. Donc, si c'est une nouvelle ère, c'est par rapport à une ancienne. Certains spécialistes disent que le New Age commence dans les années 60, les années 1960, et qu'il a été théorisé par l'américaine Marilyn Ferguson en 1980 dans son livre « Les enfants du Verseau », édité en France par Calmann Lévy en 81. Cet auteur dit que c'est l'apparition d'un nouveau paradigme actuel, l'association d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Voilà, c'est ce qu'elle dit. On pense que le New Age, c'est les années 60, est le mouvement communauté hippie en Californie. C'est le mouvement de David Spangler, d'ailleurs, en 1967. C'est vrai que le New Age, c'est là où c'est vraiment devenu connu, et le terme New Age. Mais placer le début de New Age à cette époque-là, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Le titre du bouquin de Marilyn Ferguson, c'est « Les enfants du Verseau ». Bon, le Verseau, ça te fait penser forcément à quelque chose. C'est l'astrologie, quoi. Évidemment, c'est l'astrologie. Alors, c'est l'âge, l'ère du Verseau. C'est l'homonymie. Quelqu'un parlait de Verseau auparavant, en l'associant au New Age, d'ailleurs. Alice Bailey parlait du New Age en 1944, dans un livre en deux volumes qui a pour titre « L'état de disciple dans le nouvel âge ».« Discipleship in the New Age », pardon pour l'accent. L'origine, pour certains, serait là. Bon, c'est faux aussi. C'est faux aussi, même si Alice Bailey a joué un rôle important, mais surestimé d'ailleurs, à mon sens. L'expression existait, en fait, déjà, était même utilisée par les chrétiens il y a très longtemps. Une des plus anciennes revues maçonniques, des plus célèbres, et qui existe toujours, s'appelle New Age. C'est une des plus célèbres revues maçonniques, qui est créée en 1829 et qui est l'organe en fait médiatique du suprême conseil du rite écossais pour la juridiction du sud-est des États-Unis. Le New Age qui est développé dans cette revue et le sens qu'on veut lui donner, c'est pas du New Age en fait. Et d'ailleurs, cette maçonnerie est régulière. Elle est dans l'ésotérisme, il ne faut pas la confondre avec la maçonnerie irrégulière qui apparaît d'ailleurs au 19e siècle. Et il faudrait des heures et des heures rien que pour parler de la maçonnerie, donc on va passer. L'ère du Verseau, c'est un livre d'abord de Paul Lecour. Enfin, pas d'abord. Non. C'est un livre aussi de Paul Lecour, qui est un occultiste français qui a vécu de 1871 à 1954. Et le livre est publié en 1937, donc bien avant Alice Bailey. Et il parle déjà d'un nouvel âge. Alors, c'est particulier quand même quand on voit que le New Age, c'est les années 60 ou Alice Bailey. Non, on ne remonte pas assez loin encore. Petite parenthèse. Cet homme-là, Paul Lecour, il fonde la Société des études atlantéennes en 1926,
puis l'association en 1936, qui s'appelle aujourd'hui la Nouvelle Atlantide. Est-ce que ça te dit quelque chose? On a un représentant très célèbre de ce mouvement de Paul Lecour, qui s'appelle l'Atlantis, ce mouvement à l'origine. Ça te dit quelque chose? J'ai déjà entendu parler de la Nouvelle Atlantide, mais je me souviens plus exactement ce que c'est. Son représentant le plus célèbre, qui est le continuateur de Paul Lecour, donc depuis les années 20, c'est Jacques Grimaud. Ah mais oui, évidemment, oui, c'est clair. Ils en revendiquent eux-mêmes hein, quand on va fouiller un petit peu. Donc Paul Lecour, dans son bouquin « L'ère du Verseau ou le retour de Ganymède », explique que selon son étude astrologique, il y a une nouvelle ère environ tous les 2000 ans. Et là, nous sommes actuellement dans l'ère du poisson, l'ère chrétienne, qui est une ère religieuse et belliqueuse. Et en 2160, selon ses calculs, on va entrer dans l'ère du Verseau, une ère où l'être humain réalisera son potentiel. Il y a un christianisme qui se vivra sous l'ère de Saint Jean, l'Apocalypse, et non celui de Saint Pierre qui est dogmatique, l'Église, etc. Ce sera un nouveau christianisme. D'ailleurs, Paul Lecour, à cette époque, est déjà occultiste. Il fait du syncrétisme, il dévie tout ce qu'il peut. Il ne se rattache pas à une tradition religieuse ancienne, et puis en plus, il utilise la science, en tout cas un jargon de science, un semblant de méthode scientifique. Et surtout, il est très friand des jeux de mots à la Grimaud, c'est les mêmes, qu'ils appellent tous les deux la langue des oiseaux, alors qu'en fait, c'est une paronymie. Un jeu de mots qui s'appelle une paronymie. Bobby Lapointe, par exemple, lui, c'est un maître S-langue des oiseaux ésotérique. On part de ce point de vue-là. Et pourtant, il y a on parle de l'ère du Verseau avant Paul Lecour aussi. Déjà en 1914, à Berlin, le 20 et 23 janvier, il y a des conférences qui sont regroupées dans le livre actuel « L'humain et la pensée cosmique ». C'est Rudolf Steiner qui en parle de cette ère du Verseau, et puis Blavatsky aussi. En 1908, il y a un bouquin qui s'appelle « L'évangile du Verseau » qui est sorti par un prêtre protestant qui va dans les annales akashiques, qui se balade dans les annales akashiques. De toute manière, dans les années 1875 à 1900, l'astrologie est très utilisée dans les milieux occultistes, surtout dans les pays anglo-saxon et germain. Ouais, juste une seconde pour les annales akashiques, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est une sorte de voyage astral ou tiré consulté. Éthérique. Il faut être précis. En fait, les annales akashiques, c'est comme une bibliothèque dans une dimension autre, qui est l'éther. Et dans cette bibliothèque, on a accès au passé, au présent et au futur. Et c'est emprunté, le mot akasha est emprunté. Et plagié, dévié, détourné à aux doctrines. Ça vient des doctrines hindoues. Et effectivement, ça va faire fureur. Il y en a beaucoup qui s'en revendiquent jusqu'à aujourd'hui encore. Je disais que l'astrologie, tout à l'heure, est très utilisée dans les milieux occultistes, surtout dans les pays anglo-saxons et germains. Tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est surtout dans ces pays-là que l'occultisme pullule et bouillonne? Est-ce que tu as une idée? Non. Enfin, je suppose les influences culturelles antérieures, mais ce n'est pas une idée très précise. Ben oui, effectivement, il y a une influence culturelle, mais il y a une influence très précise qui va générer un mouvement de pensée inconscient et inconscient collectif dans ces pays-là. C'est le protestantisme qui va se libérer de la parole de l'Église, qui va se concentrer sur seulement l'écrit, et on peut interpréter de telle façon que l'on veut la Bible. À partir de là, il y a une ère de liberté, qu'on peut trouver positif ou négatif, et à partir de là, ils vont pulluler énormément de mouvements, de branches, etc., et de choses qui vont se raccrocher à un ancien ésotérisme, etc. Le protestantisme est quelque part à l'origine, sans le pointer du doigt, est quelque part à l'origine du New Age, en partie. Certains, aujourd'hui, dans leur tentative de remonter à l'histoire du New Age, place ses origines à travers un mouvement nord-américain lancé à la suite de Phineas Kimby, le mouvement de la nouvelle pensée, la New Thought, qui apparaît en 1860 et qui a pour principe la guérison mentale. Si on est malade, c'est qu'on a de mauvaises croyances, il faut retourner à Jésus. Et pareil dans la vie sociale et professionnelle, si on n'a pas de réussite, c'est le phénomène de loi d'attraction dont on parle beaucoup dans la nouvelle pensée, mais qui était déjà expliqué, théorisé dans d'autres mouvements précédents. Ça commençait d'ailleurs déjà avec Blavatsky.
Alors, c'est un mouvement important, hein, c'est la New Thought, mais ce n'est pas fondateur. Pourquoi on pense que c'est fondateur? C'est parce qu'il y a une confusion. Parce que comme aujourd'hui, on est à l'ère du développement personnel et du potentiel humain, on croit que ce truc d'auto-guérison et de potentiel humain, c'est l'origine, sauf que ce n'est pas ça. C'est une grave erreur qui est en fait déterminée par l'actualité. Il y a un manque de lucidité et de retour dans l'histoire, en fait. C'est pas la New Thought, l'origine. Comment est-ce que j'avais défini l'occultisme tout à l'heure? Comme un nouveau moyen spirituel, hors des traditions religieuses, mais qui picore à droite et à gauche, et qui use de certains moyens pour faire de l'homme un dieu sur terre, en usant la science moderne pour s'expliquer. Et bien ça, c'est aussi la définition du New Age, en fait. Et est-ce que tu as une idée, du coup, toi, de quand ça commence? Vraiment, officiellement. La tentative d'expliquer scientifiquement la religion, on l'a déjà avec la métapsychique en 1860, donc ça doit être dans ces eaux-là, je dirais. Un petit peu avant. Il y a vraiment un événement particulier. Allez, les sœurs Fox aux États-Unis, non, le spiritualisme. Non. Exactement, c'est exactement ce mouvement officiel qui va mettre en place, qu'en fait, en français, on devrait appeler la néo-spiritualité. Ça commence vraiment en décembre 1847, pardon. À Hightsville, dans l'État de New York, il y a la famille Fox, qui est d'origine allemande, donc protestante. Originellement, elle s'appelle, c'est la famille Voss, qui vient juste de s'installer dans une petite maison. Le père de famille est un pasteur protestant méthodiste. Et là, ses filles Léa, Margaret et Marie, Maggie, qui entendent des bruits, des coups, des objets qui se déplacent. Ça y est, la maison est tentée par un esprit de sensation. Des gens viennent de loin et de près aussi, parce que en fait, la région où ils habitent est très fréquentée par de nouveaux groupuscules religieux protestants, les adventistes du septième jour, les mormons, les shakers, qu'on appelle autrement les quakers. Tu sais pourquoi on les appelle les shakers aussi? Les quakers? Non, ça, je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, dans leur prière, ils rentrent en transe, ils tremblent. Ah ouais, bien. Tremblent, on les appelle les shakers. C'est d'ailleurs un Quaker qui visite assez vite la famille Fox et qui essaye d'attirer des gens à lui pour organiser un cercle de compréhension de tout ce qui se passe. Et en fait, on comprend que les filles sont des médiums. Elles partent en tournée et ça devient très vite des shows. C'est là d'où naît le spiritisme, parce qu'après, il va y avoir des organisations, des rencontres, des salons. Le spiritisme, qu'on appelle spiritualisme en anglais. À cette époque, il y a une multiplication des maisons hantées aux Amériques. Beaucoup, beaucoup. Alors, en fait, ce phénomène, on l'a relevé depuis longtemps, les maisons hantées, les fantômes. Revenant, déjà, avec Pline le Jeune, au 1er siècle, qui en parle dans ses lettres. Il parle d'un homme vieux qui arrive à la porte de sa cabane, qui porte des chaînes et qui marche en faisant « ching, ching, ching » et qui disparaît. On est au 1er siècle. Après Jésus-Christ, donc le spiritisme, c'est pas seulement la croyance dans les esprits, les morts, les revenants, une forme d'énergie dans l'ancien humain qui revient sur Terre, dans l'humain mort qui revient sur Terre. Non, il y a quelque chose de nouveau à cette époque. Et est-ce que tu as idée de ce qui fait la différence avec toutes les histoires qui se racontaient sur les revenants, etc.? Ils vont faire les tables tournantes. Je veux dire, on peut aller expérimenter soi-même le contact avec les fantômes. Hein. Oui. Mais je trouve ça super intéressant que tu fasses remonter le Nouvel Âge au spiritisme, au spiritualisme aux États-Unis, au spiritisme chez nous, parce que c'est le même commentaire que je faisais avant. Souvent, on sous-estime. Je disais qu'on sous-estime l'influence culturelle de la théosophie fin 19e, début 20e, mais c'est vrai qu'on sous-estime aussi l'influence culturelle du spiritualisme qui était énorme. Tous les théosophistes étaient spirites, jusqu'à ceux qui aient une vraie cassure et qui aient des combats, mais ils partageaient les mêmes thématiques sur des points de détail. Blavatsky était spirite. Mais le spiritisme, c'est vraiment un point de départ important, et le nier est une grave erreur. Et nier son impact culturel et historique, c'est être quand même... Je suis désolé d'utiliser ce mot, mais c'est la vérité, c'est être ignare, pour le coup. Alors qu'en fait, c'est ça, si tu parles un peu à des gens tout venant, le spiritisme, en général, ça fait sourire, quoi, faire lever les tables. C'est... Aujourd'hui, ça fait sourire, mais à l'époque, ça a un impact considérable. Le but du spiritisme, il est simple, c'est qu'on peut communiquer avec des esprits des morts par des moyens matériels.
tous ceux qui vont s'en occuper, du coup, dans ces cercles qui vont naître, vont tenter de l'expliquer scientifiquement, avec des expériences. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un principe nouveau qui va marquer le New Age, c'est-à-dire des croyances nouvelles détachées d'anciennes traditions orthodoxes qui vont être tentées d'expliquer scientifiquement. Et là est vraiment le début du New Age. D'ailleurs, ça va aller à un tel point qu'en 1882 va être créée la Society for Psychical Research, la Société des recherches psychiques, qui a pour but de comprendre les phénomènes paranormaux. Et dans cette société, on y retrouve des scientifiques, des artistes, des philosophes. Henry Sidgwick est un fondateur, mathématicien. William Butler Yeats, un grand poète anglais. Carl Jung, quand même. Le premier ministre britannique Arthur Balfour. Le chimiste William Crookes. Le physiologiste français Charles Richer. Le philosophe Henri Bergson. Camille Flammarion, l'astronome dont un de ses fils sera éditeur. John William Stuart Raleigh, qui est prix Nobel et physicien. Et j'en passe. Ils n'ont pas un point de vue forcément critique. Ils croient dans tous ces phénomènes. Ils veulent juste essayer de l'expliquer. Par contre, ils vont faire un travail aussi, à un moment donné, qui va être intéressant, c'est de dire, bon, ben, là, il y a du charlatan, quand même. Mais ils y croient fortement. Et à cette époque, on va faire tourner des tables, on va faire bouger des verres, et les médiums vont s'arracher à prix d'or, ils deviennent des célébrités mondiales qu'on va faire voyager dans le monde entier. Le spiritisme a une influence extrêmement importante. Il y a un contexte aussi à tout ça, qui est très particulier. À la naissance du spiritisme, et du coup de la néo-spiritualité qui va enclencher officiellement le New Age, on est vraiment dans une nouvelle ère. Il y a la création des États sécularisés, il y a un anticléricalisme par rapport aux anciennes traditions qui est féroce, il y a une nouvelle croyance qui est donnée, c'est la science, et puis il y a l'avancée de la science quand même, qui fait des progrès mais qui change la vie économique. Il y a l'idée que le berceau de l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas entre le Tigre et l'Euphrate, mais d'origine nordique, européenne, blanche. Donc voilà, l'économie, la bourse, l'industrialisation, le libéralisme, l'argent d'ailleurs, une nouvelle chose, devient vraiment clairement, officiellement, la valeur critère de qualité d'une personne ou d'une société. On juge une personne à son compte en banque ou un pays à son PIB. Il y a la philosophie, la mort de Dieu par Nietzsche quand même. Et là, il y a l'idée que l'homme peut devenir un surhomme. Il y a le côté libertaire, donc voilà, anti-dogmatisme. L'Occident bouge et est fortement déstabilisé. Et le néo-spiritualisme, c'est une réaction au matérialisme à laquelle elle emprunte pourtant pour se démontrer pertinente. Et du coup, il y a une sacrée dissonance qui persiste jusqu'à aujourd'hui, en fait. Quand moi, je discute avec, par exemple, actuellement des anthroposophes, la dissonance, elle est claire et nette, quoi. On fait de la science, mais on a des croyances quand même qui sont particulières, mais c'est prouvé par la science. Vous mordez la queue, messieurs, dames. Encore une fois, le spiritisme aussi est strictement occidental. Avec cette croyance, on rentre dans une nouvelle culture, une contre-culture qui est en réaction, mais qui est liée à des nouveaux paradigmes. Vraiment, le nouvel âge, c'est l'enfant de notre époque qui est lié intimement à la science. Le modèle est matérialiste, individualiste, avec une spiritualité qui va devenir aujourd'hui, on parle de spiritualité laïque de plus en plus. Parce que quand même, je veux dire, quand on réfléchit à l'histoire de la spiritualité, arriver à la spiritualité laïque, c'est assez étonnant. L'éveil est le but du New Age. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend parler parmi les chercheurs de véritude, chercheurs de vérité, les éveilleurs, les réveilleurs. Bon, voilà. Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous aider avec les différents frais liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de $1 par mois.